Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a quelques jours, nous sommes passés à l'automne. Donc je pense qu'il est temps que l'on commence à s'intéresser aux couleurs tendances de l'automne 2020. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram où je poste mes différents nail art en fonction justement des saisons, en fonction de mes couleurs coup de cœur, en fonction de ce que j'aime. Eh bien, vous allez retrouver tout ce contenu sur ma page Instagram. Et aussi, sur Instagram, je prends le temps de répondre à toutes vos questions qui concernent les nail art, les marques que j'utilise, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Qui dit automne dit fin de l'été. Logique, j'ai envie de dire. Eh bien, il est temps de ranger toutes vos couleurs colorées dans votre tiroir, dans votre caisse, je ne sais pas où vous rangez vos vernis. Mais en tout cas, cet automne, on va laisser de côté tout ce qui est couleurs colorées, flashy et pencher pour des couleurs qui sont assez neutres. Alors dans cette vidéo, je vais vous sélectionner toute une série de couleurs que je vais répartir en types. Dans cette première catégorie de vernis pour l'automne 2020, nous avons les couleurs neutres. Alors ne vous inquiétez pas, je vais mettre le détail des couleurs un peu partout, par ici, par là et par ici. Alors, vous avez en premier lieu, couleur indispensable, incontournable, le noir. Voilà, le grand retour du vernis noir. Super chic, super élaboré, on adore. On a également le vernis blanc qui, que ce soit l'automne, l'été, l'hiver, le printemps, tout ce que vous voulez, il y a toujours du blanc dans les parages. Donc, l'automne, il est toujours d'actualité. On a aussi tout ce qui est couleurs un peu nudes. Vous voyez, celles-ci, ces couleurs qu'on adore mettre. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un peu ça sur mes ongles. Couleur taupe, on adore. Vous avez aussi tout ce qui est couleurs un peu gris, grisé, taupe, etc. Donc, tous ces tons-là, ce sont les couleurs neutres. Donc, si vous avez des couleurs qui s'en rapprochent, n'hésitez pas, les filles, il est temps de les mettre. Deuxième catégorie de couleurs, nous avons les couleurs pailletées. Alors, quand on dit pailletées, c'est pas carnaval festival. Hein. C'est celle-ci. Vous voyez, ce genre de paillettes dorées, trop belles. Donc, quelle que soit la couleur que vous avez, il est temps de sortir vos petites couleurs pailletées. Aux couleurs automnales aussi, hein. C'est mieux. Vous voyez. Donc, on est tip-top dans le thème de l'automne avec ses différentes couleurs pailletées. Donc là, je vous ai présenté du violet, du gris, du marron un petit peu, du rouge orangé. Donc là, préparez-vous pour vos motifs en mode Halloween. Vient ensuite une couleur incontournable, indémodable, qui traverse les années, les saisons et bien plus encore. Est-ce que vous avez deviné de quelle couleur je parle ? Un peu de suspense, je vous la montre. Et voilà, il s'agit du rouge. Alors, pour le rouge, vous avez droit d'utiliser toutes les dérivées du rouge pour cet automne 2020. Quand je dis dérivées, eh bien, c'est rouge cerise, rouge framboise, rouge vif, rouge bordeaux. Dès qu'il y a le mot rouge, on adore, on prend, on achète et on porte. Alors, quatrième tendance pour l'automne 2020, il s'agit des couleurs qui sont à tendance bleue. Donc, c'est-à-dire que vous avez le bleu électrique. En fait, ce bleu, il est hyper beau, franchement. Celui-là, il est magnifique. Quand vous le mettez, que vous ayez la peau claire, la peau foncée, généralement, ça pète et franchement, c'est hyper beau. Après, en ce qui concerne les couleurs bleues, vous avez également ce bleu-ci. Alors, à ne pas confondre avec le bleu ciel, parce que bleu ciel, ça ne va pas du tout aller. On est plutôt dans ce style de bleu, vous voyez, qui tire un peu vers le violet, à tendance un petit peu claire. Voilà, mais c'est du bleu. Et ce genre de bleu aussi est super beau. On continue avec cette couleur-ci. Alors, c'est plutôt du vert canard, je dirais. Et celle-ci, franchement, elle est trop belle. Vous allez dire, mais Cynthia, elle dit, depuis tout à l'heure, toutes les couleurs, elles sont trop belles. Oui. Franchement, toutes les couleurs sont super belles. Donc, celle-ci, vert canard, à adopter tout de suite. Et on termine par le vert kaki, qui est là et totalement dans le thème. Vous mélangez du vert kaki avec du orange brillant pailleté que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites un nail art automnal au top. Franchement, les couleurs tendances pour l'automne 2020,
ça promet. Donc j'espère que vous avez pris note pour être au taquet. Si vous avez déjà les couleurs, c'est parfait. Commencez les manicures parce qu'on n'a pas le temps. Si c'est pas le cas, foncez. Achetez en ligne, allez en boutique, attention au corona. Mais munissez-vous des couleurs tendances pour l'automne 2020. Et si vous souhaitez, par rapport à toutes les couleurs que je viens de citer, vous les procurer, mais en vernis semi-permanent, je vous mets le lien du site où je vais tout le temps pour ces vernis-là. Et en même temps, je vous donne un petit code promo qui vous sera bien utile lors de vos achats. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez et bien sûr, vous abonnez à ma chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je fais de gros bisous.